Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Tim de Space News. Je rappelle, avant de commencer, que toutes les informations que je communique sont strictement et exclusivement de sources extraterrestres. Elles me sont transmises, noir sur blanc, à l'écrit et en audio, depuis le début de l'année 2016, et depuis 8 ans donc, par mon principal contact extraterrestre, Zen. Ce n'est ni de l'hypnose, ni de la télépathie, ni de la canalisation. La présentation d'aujourd'hui est un extrait de plusieurs conversations que j'ai eues en 2017 et 2018 et que j'ai présentées pour la première fois au public le 21 septembre 2018. Ainsi que dans mon livre « Premier contact » dans les articles 30, 31, 32 et 33. Dans les visioconférences du dimanche, en prenant chaque semaine conscience des transmissions de mes contacts extraterrestres, vous apprenez à observer la Terre comme ils le font. Lorsque toute la planète sera passée en 5D, en 50 Hz, le plus grand défi qui se posera à nous sera la vie interstellaire, nos relations avec nos voisins de l'espace, des relations qui seront interraciales, intercroyances, intercomportementales, avec des personnes que nous connaissons à peine, au travers du prisme de leurs contacts, beaucoup trop rares et beaucoup trop discrets à mon goût. Pour approfondir votre regard de ce que cela signifie d'être interstellaire, je vous propose de regarder une toute petite partie de ce que voient les extraterrestres quand ils observent les humains depuis la 5e densité. La manière de percevoir les choses est différente. Sur Terre, nous observons l'espace en tournant notre regard vers le haut, et les extraterrestres regardent la Terre en tournant leur regard et leur esprit vers le bas. Après avoir porté notre attention dimanche dernier vers les starseeds, les émissaires stellaires, arrivés ici sur Terre sous différentes formes avec des missions variées, voyons maintenant de qui ou de quoi est composé le reste de la population. Nous allons aborder 7 grands points que je vais énumérer lentement pour que vous puissiez les noter. Voici la liste. Premièrement, les hybrides. Deuxièmement, les hubrides. Troisièmement, les humains vides ou non réels. Quatrièmement, les clones. Cinquièmement, les humains bioniques. Sixièmement, les Borg. Et septièmement, nous aborderons le très fascinant sujet du passage de la vie à base carbone vers une base silicium. Commençons par la première catégorie des hybrides. L'hybridation est le croisement naturel ou artificiel de deux individus, de plantes ou d'animaux, d'espèces, de races ou de variétés différentes. Il existe deux types d'hybridation. L'hybridation naturelle, c'est la reproduction entre deux espèces distinctes mais suffisamment proches d'un point de vue physiologique, qui ont recours au processus normal de reproduction sexuée. Mais l'hybride femelle sera peu fertile et l'hybride mâle sera stérile, comme c'est le cas du zébrane, un hybride entre un zèbre et une ânesse, ou du léopon, l'hybride entre un léopard et une lionne.
Le deuxième type d'hybridation est artificielle. Elle peut ignorer certaines normes et être provoquée en ayant recours à des techniques de fusion de deux espèces pour former un nouvel hybride héritant de propriétés génétiques sélectionnées consciemment. Les hybrides intraspécifiques seront généralement fertiles, tandis que les hybrides interspécifiques seront peu fertiles, voire stériles. De la même manière, si certaines espèces, par exemple les terriens et les pléiadiens, sont physiquement compatibles, car ils appartiennent à des espèces d'hominidés proches, l'appariement des chromosomes ne correspond pas et l'accouplement, s'il reste possible, ne permet pas la naissance d'hybrides fertiles ni de faire émerger une nouvelle lignée hétéropléiadienne, ce qui signerait la fin de la lignée pléiadienne sur Terre. L'hybridation entre extraterrestres de différentes planètes est possible entre des lignées proches, par exemple des Antariens de la constellation du Scorpion et des Pléiadiens de la constellation du Taureau. L'un de mes contacts pléiadienne-antarienne, qui fut aussi le contact du président Dwight Eisenhower en 1954, la maréchale Rachel de Temer, qui est une femme hybride entre sa mère Zoéa de Temer, pléiadienne tégétane, et son père Cartil, immigrant originaire d'Antarès. J'ai parlé de Rachel dans la vidéo numéro 2022, trait d'union 105, sur YouTube, et vous pourrez vous y reporter. La sixième catégorie sont les Borg. Ce qui suit m'a été raconté par Zen en 2017, alors qu'il me décrivait les différentes espèces extraterrestres qu'il connaissait pour les côtoyer tous les jours. À l'époque, il m'a signalé qu'une tentative de contrôle d'une zone galactique était en cours par des équipages de Borg à bord d'un vaisseau spatial de forme cubique qui est brusquement apparu. À ce propos, vous pouvez aussi consulter mon livre Premier Contact sur ce thème et une autre vidéo et un autre direct, la vidéo 2022 trait d'union 26 et le direct correspondant 2022 D5. Voyons maintenant le septième point, qui est le passage de la vie à base de carbone vers la vie à base de silicium. D'après Zen, nous serions sur Terre dans une phase de transition entre l'humain bionique bio-humanoïde, donc nous quittons l'être humain tel que nous le connaissons, biologique, qui naît, se développe et meurt, qui a des émotions, etc. Et nous sommes en train de passer vers l'humain bionique bio-humanoïde. Il y a des implications éthiques et sociétales importantes que nous devons considérer. Par exemple, comment ces robots seraient-ils traités dans la société? Auraient-ils des droits? Comment leur présence affecterait-elle l'emploi et l'économie? Ce sont des questions importantes qui nécessitent une réflexion approfondie.